voici la fabrication de la banderole de la cigale iroise avec les majorettes et les musiciens. Alors, sur ma gauche, nous avons Evelyne, Nina pour les intimes, Anne-Marie, voilà. Et Anne-Marie aussi, ouais. Voilà. Alors Anne-Marie, c'est la sœur de Nina. Le petit d'Anne-Marie, Marjorie, une Marjorette, mais par défaut, une Marjoriette. Et nous avons ici le tambour major, le premier tambour de la cigale. Et d'autre part. Et là, donc, la super banderole avec les photos que chacun va mettre sur une banderole faite maison. Si un artisan avait dû la faire, on aurait payé très cher. Et là, ça va être fait avec amour et passion. Et donc, tout le monde pourra voir les belles photos demain des majorettes et de la fanfare. Voilà. Donc, nous reviendrons à la fin de la banderole. Nous allons passer en cuisine pour voir ce qui se passe. On disait ça une fanfare avec des majorettes. Et voilà. Qui se souvient des majorettes de l'époque? On en a ressorti trois numéros, trois phénomènes. Et le chef de la fanfare, c'est pas lui. Bonjour mademoiselle, où est le chef de la fanfare? Ah, monsieur Camu, voilà. L'ancien chef de la fanfare de l'harmonie de hier. Voilà, et alors, on a donc les majorettes. Alors, vous êtes deux anciennes majorettes, quel est votre prénom? Evelyne. Anne-Marie. Alors, Evelyne et Anne-Marie, vous étiez majorette à quel âge? De 12 ans jusqu'à 27 ans. De 12 à 27 ans. Vous étiez combien de danseuses en tout, majorette? Vous vous souvenez à peu près? Trentaine. Vous faisiez toutes les fêtes de pays? Oui, toutes les fêtes de la ville, les corsos, les carnavals, toutes les manifestations sportives, culturelles. Et vous vous êtes mariée avec? Avec? Un gars d'harmonie? Du tout! Ah, pas du tout! Pas du tout! Non plus! Oh, ça vous a pas servi à grand chose alors? Non. Pour ça, c'était bon souvenir? Très bon souvenir, oui. Alors, dites-moi un petit peu, vous voulez pas recommencer à faire les majorettes? Non, c'est... je laisse ma place. Bon. Et vous, la musique, très peu? De 5 ans à 26 ans. Ah oui, quand même. Et vous jouiez de quel instrument dans l'harmonie? Héron? Non.
De la baguette. De la baguette, t'es le roi du tambour. Et de l'amour, oui, c'est pas la même chose. Ouais, ça marche bien. Alors si parmi vous, mesdames, messieurs, il y a des anciens qui ont envie de parler un petit peu avec ces anciennes majorettes, avec ces anciens musiciens, hein, eh bien, ils ont amené ici le drapeau de l'harmonie. Il y a un petit espace, hein, où vous pouvez discuter, parler un petit peu de ce passé. Voilà, merci à vous. Hein, puis alors, bonne journée. Fait chaud, hein, on va remettre ça. Alors si vous voulez faire, par contre, les deux dames vous proposent, pour les jeunes, des démonstrations de lancer de bâton. Hein, voilà. Ah Michel, si vous commencez déjà par faire un petit peu, disons un petit peu de la question de cette association. C'est une association artistique, littéraire, philosophique. Elle est à l'origine du festival de francophonie de Jacques-Guerre, que nous organisons depuis 2001, avec le soutien de la ville. Et je voudrais profiter pour remercier toutes les associations.